Bonjour tout mon frère, sœur de l'île Maurice entière, entière le monde. Je retourne avec vous. Aujourd'hui, moi j'ai envie de partager avec vous la loi de Dieu et avec la grâce pour montrer qui était la grâce. Parce que souvent, des fois, nous pensons que la loi finit terminée, maintenant nous vivons pour la grâce. Nous avons besoin de comprendre qui était la grâce. Mais c'est ça, mon partage avec vous aujourd'hui, la loi et la grâce. Qui était la loi et qui était la grâce? Mais je fais mon prière comme d'habitude, pour demander bon Dieu sa grâce, et après, là, je continue avec vous. Merci. Notre Père Céleste, merci encore une fois pour qu'il nous vienne devant toi, pour parler de la loi et de la grâce, et pour essayer de montrer qui fait de nous la loi et la grâce. Et pour nous comprendre ton caractère et ton gouvernement. Bénis-nous, protège-nous pendant ce moment-là. Et bénis tous nos bons frères et sœurs qui peuvent écouter sa vidéo là-ci. Merci encore une fois pour tes bienfaits envers nous. Au nom de Jésus, nous te demandons toutes ces grâces et bénédictions, mon Père Céleste. Amen. Amen. Oui. On a fait une pop. Là, on peut retirer ça sur mon écran. Oui. Et non, beaucoup de personnes pensaient que la loi finit terminée lors la croix, les temps Jésus est mort. Nous besoin premièrement, nous besoin comprendre qui la loi qui finit terminée les temps Jésus est mort, qui la loi qui finit terminée lors la croix. Parce qu'il y a deux qualités la loi. Nous avons la loi qui nous appelle la loi morale, et la loi qui nous appelle cérémoniale, la loi cérémoniale. La loi cérémoniale finit terminée la croix, étant Jésus tu mort. Mais pas la loi morale. Mais à ce stade-là, nous pouvons expliquer, nous pouvons cause la loi morale. Alors, quand nous disons la loi morale, nous pouvons cause le 10 commandements. Quand nous pouvons cause la loi cérémoniale, nous pouvons cause la loi faire sacrifice. Nous connaissons ce sacrifice qui a aboli bien longtemps et qu'un autre jour, nous allons rendre ça sujet là, qui fait un sacrifice aussi. Ouais. Mais, moi expliquer autre loi là, la loi morale avec la grâce. Oui. Quelle différence qui est là avec entre la loi et la grâce? Par exemple, la loi de Dieu demande ben quelque chose bien difficile à l'homme parce qu'il nous péché. La loi lui dénonce. La loi accuse nous, il est accusé. La loi peinant le pardon avec la loi. La loi, c'est la loi. Si nous transgressons la loi, il n'est pas pour pardonner nous. Il dit, nous, tu transgresses la loi, tu transgresses la loi, peinant le pardon avec la loi. La loi fait nous irriter ou bien agacer. La loi reste toujours ferme et solide. La loi impersonnelle et la loi amène-nous à la rébellion. Mais si moi, tiens, beaucoup de temps, tu peux expliquer de quelle manière la loi amène-nous à la rébellion. Mais moi, je peux comprendre. Parce que personne n'est pas content de la loi. Parce que toute la loi, l'apôtre Paul dit comme ça, il connaît qui est bon. Il fait ce qui est bon, mais il n'est pas dans ça, dans Romains chapitre 7. Il connaît qui est bon, il a envie de faire ce qui est bon, il n'est pas capable de faire ce qui est bon. Il connaît qui n'est pas bon, il n'a pas envie de faire ce qui n'est pas bon. Mais il n'est pas capable arrêter de faire ce qui n'est pas bon, faire ce qui est bon. Mais après, il est là, il dit nous, dans ce dernier verset, verset 25, il dit nous, grâce à Jésus-Christ, qui maintenant est capable, il comprend, il est capable, comment dire, être sauvé par Jésus-Christ. Oui. Ah, mais nous trouvons aussi, là, ce qu'ils nous trouvé là, mais est-ce que c'est la loi sous faute, ça? Est-ce que la loi sous faute, qui nous va pas capable de faire ce que la loi demande nous pour faire. Apôtre Paul dit à nous, non, 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 pas la loi sous faute. Quand on regarde ça, par exemple, dans Somme 19, verset 7, pour qui faire nous pas garder la loi? Et la loi, il dit, explique-nous bien clairement. Dans Somme 19, verset 7, il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème avec la loi. L'y parfait. Elle restaure l'âme. L'y restaure nous l'âme.
Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Ça veut dire si nous un ignorant, si nous ignorant, nous capable, si nous comprenons la loi de Dieu, il est capable à nous sage. Ça aussi, il est capable à faire. Mais c'est mal la loi, il est parfait. Non, rien, nous pas capable de changer dans la loi. C'est nous qui besoin de changer, nous qui avons péché. Ça veut dire nos problèmes qui, c'est nous qui rebelle, nous qui rebelle à la loi de Dieu, parce que nous un péché. L'éclair est saint. Mais péché, comment nous était? Mais quand nous finissons la grand, quand nous finissons sa grand bon Dieu là, son caractère, qu'il est infiniment gracieuse, les là qui nous réalisait sous la grâce toujours donnée et pardonnée, et les couvert, les persuadés, les très personnels. Et quand nous finissons de comprendre ça, ça ramène nous vers la repentance. Quand nous finissons de comprendre la grâce de Dieu, ça y amène nous vers la repentance. Et faire nous ayant la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui c'est-là qui n'est pas content de vivre dans la grâce de Dieu quand nous finissons trouver la grâce qui était? Paul dit à nous dans Romains chapitre 3, verset 31, « Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Est-ce qu'il nous retire la loi? Est-ce qu'il nous abandonne la loi au moyen de la foi? » Paul rend sa réponse là lui-même. Il dit à nous, « Loin de là, verset 31, explique-nous, loin de là, nous confirmons la loi. » Qu'est-ce que ça veut dire le mot « confirmons » ? Le mot confirmant, en d'autres mots, ça veut dire nous soutenir la loi. Ça veut dire nous ne pouvons pas tirer la loi, nous ne pouvons pas abandonner la loi morale, mauvais causé là. Ça veut dire nous besoin soutenir la loi. Quand nous soutenir la loi, quand nous faisons comprendre la grâce. Les là, nous ne le connaissons, ce n'est pas la loi de Dieu qui est un problème. C'est nous qui est problème là. C'est nous qui n'est pas capable de garder la loi de Dieu parce que nous, nous sommes pécheurs et sur la loi parfaite. Comment nous y est allé là dans Somme. Maintenant, dans Romains chapitre 2, verset 12, les dit à nous. Les dit, et ça qui m'a fait que dire aux autres là, encore en plus, c'est Romains chapitre 3, verset 31. Ça, vous pouvez trouver ça dans la Bible du sommaire. Maintenant, lui, second, il y a du sommaire aussi, mais n'importe quel livre, vous pouvez lire, qui version, il peut expliquer ça clairement. À ce moment-là, vous verrez les autres encore dans la Bible du sommaire. Romains chapitre 2, verset 12. Il dit à nous comme ça, ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Mais ceux qui ont péché alors qu'ils étaient soumis au régime de la loi seront jugés conformément à la loi. Et nous comprenons quand la Bible dit à nous la loi de Moïse. Moïse peinant la loi. C'est Dieu qui donne Moïse la loi. Et là, Moïse écrit la loi, les met dans son livre, comme on appelle ça la loi cérémonielle. Mais quand Dieu lui-même il écrit ses propres doigts, les 10 commandements, ça c'est la loi de Dieu qu'il donne Moïse aussi. Qu'on lui donne ça au dès la table de pierre. Ouais. Alors, ça nous vient comprendre ça. Ah, mais il dit à nous comme ça, il dit à nous comme ça, c'est lui, il dit à nous, c'est qui ont péché sans avoir la connaissance de la loi de Moïse, périront sans qu'elle intervienne dans les jugements. Mais c'est qui ont péché alors qu'ils étaient soumis au régime de la loi seront jugés conformément à la loi. Et un bon chrétien qui connaît la loi, et qu'ils ont une peste contre la loi, je pourrais être jugé par la loi. Et je pourrais connaître quand je fais erreur. Mais il y a une bande païen qui jamais finit la loi, qui pas connaît la loi de Dieu, mais seulement il y a la loi qui Dieu finit écrire sur la table des autres lesquels. Et quand ça, la loi de Dieu apparaît devant autres, comment dire, par exemple, comment dire, pas faire adultère, et je connais dans autres lesquels adultère une quelque chose qui pas capable de faire.
Si je te connais, par exemple, comment voler, je te connais dans votre lecture, voler pas bon. Je te sens coupable quand je te volais. Mais bon Dieu connaît et je te connais, c'est même qui bon Dieu, il pas pose personne aucun problème. Les autres libres, c'est moi je peux connaître quand je fais erreur. Dans Romains chapitre 2, verset 14, il dit quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Une loi pour eux-mêmes. Verset 15, il dit à nous comme ça dans Romains chapitre 2, ils montrèrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Dit clair, pas moi qui dis ça, la Bible qui dit ça, que la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Dans votre conscience, je te connais quand je ne fais erreur. Je ne suis pas repenti. Et bon Dieu vous pardonne les autres et les autres faire ce qui est bon. Et leur pensée à s'accusant ou se défendant tour à tour dans 8 secondes. Mais lis bien clair. Ça veut dire, nous n'avons aucun problème qu'il est païen, qu'il est chrétien. Bon Dieu, il nous donne tout du monde un guide dans notre vie pour trouver un chemin qu'ils ont besoin, qu'autre chemin la vérité, qu'autre chemin la réalité. Et nous ne sommes pas là pour dire comme ça, toi tu peux contre les 10 commandements, toi tu vas pas faire, toi tu vas faire. Nous pas nos problèmes ça. Nos problèmes c'est qu'ils nous besoin nous tous, enseignent nous bons frères et sœurs, qui manière nous besoin contre bon Dieu ce caractère et ce gouvernement. Et bon Dieu pour montrer tout ce bon du monde, ce bon enfants. Il dit il y a un paquet de brebis qui est en dehors ce troupeau, mais les poils c'est les autres, les poils mènent les autres. Mais tout ça nous bons frères et sœurs ça, nous besoin l'été faire une manière qui nous fait connaître la parole de Dieu pour être capable de vivre avec Dieu avant son avènement. Verset 3, Romains chapitre 3, verset 3, mon dernier verset, il dit nous, et quoi? Si quelqu'un n'a pas cru, si quelqu'un n'a pas fini de croire, les incrédulités anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Est-ce que si quelqu'un n'a pas cru, est-ce qu'il est pour anéantir? Anéantir, ça veut dire faire bon Dieu sans eux, à cause, bon Dieu a envie de faire nous tout vin bon, parce qu'il est bon. Bon Dieu a envie de faire nous tout vin comme en lui, parce qu'il les connaît, avec lui, nous prenons la vie éternelle. Mais si, comment dire, nous parlons quoi, nous? Est-ce que nous vous sens ce caractère? Est-ce que nous vous faire bon Dieu vin comme en nous? Comment on peut dire comme en nous? Par exemple, comment nous, le salaté là, humain, c'est comment dire, nous causons avec un du monde, nous ne faisons pas comprendre, nous ne les comprendre, nous avons une punition qui nous pour faire par punition, nous pour faire les comprendre. Ou soit nous pour cesser aller dans un coin qui est pour capable écouter et capable comprendre nous. Mais là, ça veut dire nous une mauvais pareil comment lui pour faire vivre soi-disant bon. Mais bon Dieu, non, bon Dieu, pas faire personne du tout pour il pas changer lui-même premièrement. Ce caractère pas changer, il sans son idée, mais ce caractère il pas changer. Ça veut dire, même nous faire mauvais aussi, nous pas poussons ce caractère pour faire les tuer nous, pour lui, au lieu de nous vins comment lui, vins comment nous. Ça n'a pas existé, ça. Bon Dieu, il est toujours ce caractère reste pareil. Dieu, il y a un Dieu toujours, il y a un Dieu d'amour, et il pourrait être toujours un Dieu d'amour. Le problème, c'est nous qui perdons, si nous pas accepter mort avec bon Dieu. Parce qu'il est fini de promettre nous la vie éternelle. Mais mon souhait est qu'il nous écoute ce parole bien et qu'il nous vîmes avec lui, au lieu qu'il nous peut vivre des 3 bananiers, le salatier là. Quand même, nous peut vivre 100 ans, ce n'est pas 50 ans, ce n'est pas 60 ans. On ne connaît pas combien de temps nous avons pour vivre le salatier là. Mais nous pas bon Dieu, pas très content qu'il nous perde la vie chaude. Il est content qu'il nous vive bien longtemps, éternellement, éternellement avec lui. Mon souhait, là, je finis de comprendre la grâce avec la loi et que bon Dieu, ce caractère, jamais sans dire qu'il nous fait ce qui est mauvais. Lui toujours ce qui est bon. Parce qu'il y en a du monde pensait que si nous faisons mauvais, bon Dieu pour punir nous, ça pour satier nous. Non, menti ça. Pas écoute ça, du monde là, c'est qui punit nous, satier nous, c'est Satan. Il est clair. Il lit dans la Bible. Si je pas, et si je pas, si je pas les croire, comme on peut dire, les autres, j'ai envie qu'aux moins plus que ça, mais à cause de l'état, c'est un qui m'a bien arrêté. Mais je suis capable d'écrire moi le Let's Talk About God, number 3, @gmail.com.
Et moi pour rendre d'autres réponses. Je te pose moi d'autres questions, moi pour rendre d'autres réponses par la grâce de Dieu. Mais moi, je souhaite vous une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Laisse-moi faire un mot de prière avant de me couper. Merci Seigneur Jésus pour tous tes bienfaits envers nous. Merci pour tes paroles. Merci pour toute la grâce qui te fait une déversion à nous. Mais maintenant, moi, je souhaite que nous tous comprenions toute la grâce. Il y a un paquet encore dans la Bible qui nous a besoin d'apprendre, mais malheureusement, à cause du monde, n'est plus. Elle n'a pas patience pour lire assez longtemps, ou ça peut écouter assez longtemps, mais c'est elle qui nous fait l'écoute. Mais moi, je te pour ton Saint-Esprit, tu pourras ramener nous autres vers toi, Seigneur, parce que tu es toujours un Dieu d'amour, tu es toujours content, tout aux bons enfants, qu'il est bon, qu'il est mauvais, tu es toujours content, eux. Jamais tout changer. Si tu es changé, Satan va pour faire ce qu'il peut faire aujourd'hui, Seigneur, à cause d'un bon Dieu, qu'il connaît, tu pas capable de tuer lui, ça même qu'il fait ça. Mais nous aussi, pareil, à ce stade, nous faisons compte de caractère, mais moi, je souhaite qu'il nous vienne vers toi. Parce que c'est pas toi qui nous l'ennemis, c'est Satan qui nous l'ennemis. Au lieu qu'il nous galope dans les bras, Satan nous galope dans tous les bras, qui peut donner nous la vie éternelle un jour. Bénis tous, ça m'a dit monde qui peut écouter ta parole là, Seigneur Jésus. Et je souhaite qu'un jour, nous nous trouvions avec toi dans ton royaume. Qui ne nous pas contre nous, mais je nous connais ce qui est là. Je suis capable de dire moi, qui nous partage, quelque manière, je suis ici, je nous comprends ça. Et nous nous trouvons ensemble dans ton royaume. Merci encore une fois pour tous tes bienfaits envers nous. Au nom de Jésus, nous te demandons toutes ces grâces, ces bénédictions, mon Père Céleste. Amen. Amen. Au revoir, mon bon frère et sœur. Que Dieu vous bénisse.